Salut, ma gang de vous autres. Red Lebrun. Non, je suis pas mort. Pas fort parce qu'il fait chaud en crise, mais je suis pas mort. Là, ça fait un bout que je suis pas venu jusqu'à Noé, vous le savez. C'est pas à cause que je vous aime pas, c'est à cause de Pelado. C'est à cause trop de monde qui achète le journal de Montréal. Il y a encore trop de monde qui passe le temps à mettre des annonces dans cette crise de journal-là. Ça, c'est la première affaire, c'est dit, c'est fait, c'est réglé. Deuxième affaire, que le gros Ferraro, il vous voit plus en cause parce qu'il est tout le temps Second Life. C'est un jeu du jeu, mais dans le fond, c'est comme la vraie vie. C'est une vraie vie. Le gros là-dessus, il se déguisait en biker comme il a toujours rêvé. Il se promène dans un club, il danse comme un pro. Il va à Paris, à New York, à Chicago. Il vit dans une villa sur le bord de la mer avec des îles, des aubes, des palmiers, le vent, des coconuts, des bananes, une sorte de crise de bebelle qui pousse là. Il arrange ça à son goût, il s'amuse. Il s'est marié, il a eu des bébés, de la marde, il s'est trompé, ben c'est pas ça qu'il faut faire, c'est une deuxième vie, ça le dit, je veux. Vous allez pas là pour reproduire la vraie vie. Mais, il y a quand même le fait que le bord d'un écran, il y a un humain. Puis l'humain, c'est le gros Ferraro. Il a beau s'appeler comme vous voudrez, puis se déguiser comme vous voudrez sur Second Life, ça reste le gros Ferraro. Mais il a maigri, le gros. Il a maigri pas mal, même, on dira, là, tu sais. Mais, comme voulez-vous, il a pas assez maigri, là, il a peut-être pas repris le poids, on ne sait pas. Là, oui, il a pris le Christ d'abord. Il a acheté un Xbox 360 à son gars, puis depuis ce temps-là, la oui a tombé dans la désuétude. Ça, c'est un grand mot qui veut dire que ça n'est plus allé. Fait qu'aujourd'hui, je suis venu pour vous saluer, vous remercier. Je continue de penser à vous autres, je viens faire mon tour à tous les jours. Je sais que je vais plus jouer avec les jeux à Raymond, les photos et tout ça. Mais je veux pas laisser ma trace scanouer en principe du fait que Pelado, il y a ce business-là. C'est à lui, puis moi, je me dis, il n'est pas question, après 36 ans de loyaux services, qu'il crisse ma femme à la porte de même un 24 janvier 2009, puis depuis ce temps-là, il laisse ce shit de voir. Fait que pour revenir à Second Life, est-ce là-dessus, il s'amuse comme un malade gros. Il creuse des trous avec une souris, vous ne créerez certainement pas, là, mais c'est acheté un terrain, puis il a creusé un trou avec une souris. Tu cliques sur le petit crisse de piton, là, ça creuse, ça part en fou. Tu descends 10 000 pieds dans la terre, d'un coup, pouf! T'es rendu dans le fond, y'a plus de fond, là, mais anyway, c'est un jeu. Puis là, après, tu cliques sur l'autre crisse de piton, remonte le terrain, d'un coup, bang! C'est une montagne! C'est compliqué, ça arrête pas de minute. Faut que tu construises tes maisons, place tes meubles, place tes chaises, place tes bureaux. Puis là, le hacker, là, s'il m'écoute, le hacker, on a déménagé place, ça s'appelle une sim. C'est des terrains, genre. On a déménagé, pas une, pas deux, trois fois. Remballe la maison, remballe les meubles, remballe le camp, Panton, t'as tout le temps rendu chez nous. Comprenez-vous, là, c'est beau être un jeu, mais calvaire, c'est pas facile avec une souris de laptop, frotter de clito, tabarnak, pour placer la petite chaise. Ouais, là, j'ai oublié de dire, oreille sensible, cœur fragile, puis langue sale, s'abstenir d'écouter le reste du vidéo. Si vous êtes site pour entendre, comme d'habitude, du canoë, des petites affaires parfaites, pas de faute, pas rien, ben, calisse, ferme ton ordi, puis enlève-toi de bord, joie d'autre chose. Ça finit ce temps-là. Comprendo! Fait que c'est ça, là, tu l'as-tu, Second Life, tu pises, il y a des filles, il y a des putes, il y a tout, des bikers, des gadounes, des lesbiennes. Il y a plein d'affaires, j'ai trouvé des églises, du monde qui se marie. Il y a un petit clin d'œil, il y a Cathy Zora en passant. Allô Cathy. Et puis, quoi d'autre que je pourrais vous dire? On va à la plage. Je vis sur une beach. À un moment donné, s'il y en a de vous autres qui se connectent, faites-moi signe, vous allez me reconnaître. C'est moi le gros barbu avec la barbe. Là. Alors, je mets cette vidéo-là sur YouTube. Puis, je vais prendre le player, je vais le mettre du canoë pour que le monde de canoë le voie. Mais je le laisse sur YouTube pour mes chums de Second Life. En passant, allô Afro, allô Toki, qui d'autre? Vous vous reconnaissez tous, là. Soon Mobile, Abigail, François,
faut pas oublier Penelope 29 et Daniel, Ramton, je sais plus le reste de son nom, Café Maximus. En tout cas, on a une crise de belle gang. En passant, allô Cathy. Et puis, fait que c'est ça, fait que là, moi, tabarnak là-dessus, c'est le fun au bout. On sac, on parle politique, on parle de cul, on parle d'amour, on parle de chat, on se construit, on se détruit. Ben, les objets, là, pas les gens sont friendly. Fait que là, je suis rendu à quasiment 5 minutes 30, je suis sûr, je n'ai pas dit une astuce gang depuis ce temps-là. Mais tout ça pour vous dire, le gros Ferraro, il est pas mort. Vous verrez pas la vidéo sur le site à moi-même, mon site perso sur AC, parce que le gros, il se rappelle plus du Christ de mot de passe pour embarquer dedans. Il a fait tellement longtemps qu'il l'a pas pris, il sait plus c'est quoi. Il sait plus. Check les yeux à mon grain. Fait que c'est ça. Amusez-vous bien, on arrive à 6 minutes. Là-dessus, bonne journée! Parce qu'on arrête ça, cette crise de bebelle-là. Quel piton! Hé, hey, Manon! Pèse le piton!